les jours. Oui, on est tanné, c'est pas grave. Est-ce qu'on est obligé? C'est toi la nouvelle élève, Rebecca? Oui, c'est moi. Viens, je te trouve ta classe. Ok, merci. Bonjour, madame la directrice. Bonjour, madame la directrice. Bonjour, les élèves. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va très bien. Ben, je m'appelle Rebecca. T'as quel âge? T'as 11 ans. T'as une collation? T'es petite. Merci. Bye bye les élèves. Bye. 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 Donc, ça va, tu es à côté de ta maman. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, tu dois sortir ton cartable d'écriture. Tu as vu la nouvelle photo que j'ai postée? Yeah, elle est trop belle, Instagram. Ok, non, on fait silence. Oui. Okay. Yo, Rebecca. Est-ce que t'es concentrée sur ta photo? Yo, j'ai ça. Et Théodore, mon ami, là. Juste là, c'est toi. Justine, t'as vu la nouvelle photo? Yeah, trop swag. Yeah. Bon, ok, tout le monde, on fait silence. Donc, like. Mais qu'est-ce qu'on a fait encore? Vous parlez et moi, je fais le silence. J'étais Naïcha. Arrêtez de vous lancer des papiers. Bonjour madame la tribune. Bonjour. Comment ça va, bonjour. Parce que ça n'arrête pas de faire du bruit. Puis je suis En commençant, tu fais un petit de la table. Tout de suite. Madame, on n'arrive pas, on est des innocents. Puis elle va se vanter. On est des enfants. Que c'est juste sa table qui est gentille, ce n'est pas vrai, madame. Je la connais très bien, c'est mon amie. C'est même pas vrai, je suis même pas son amie. Elle a pas une visite sur mon dos depuis le début de l'année. Est-ce que elle a commencé à appeler pour du cal de Fifi? Non. Madame, c'est la récréation. Ça vous arrive, on peut. Je m'en fous, c'est la récréation, vous restez ici. Moi, je suis porteur. Oui. Fais qu'on parle. Je suis prête pour aller à la création. On s'excuse, bla bla. Mais c'est pas mon truc. Attends. On excuse madame. La cloche a sonné. Chose bien quand même. Je ne sais pas votre nom. Respect. C'est quoi ce nom? Je m'excuse madame le professeur. Je m'appelle Sarah. Je m'excuse madame Sarah. On peut flex. Oh, en bas chez nous? Non! En bas la récréation! Madame, laissez-nous nous croire maintenant! S'il vous plaît, en bas la récréation! On va juste vous taire 2 secondes! Okay. Un, deux! Les boules de papier, ça suffit! Attends, trois! Ok, 2 secondes, les papiers! Ok! Alors, j'aimerais que vous vous tous à Sarah! J'ai mis le plus madame, vous connaissez même pas son nom! Waouh! Alors vous avez tous dit à Rebecca. Et toi, Rebecca, sors tout de suite. Non. Sors tout de suite. Je m'excuse.
ça va? Je t'ai dit. C'est correct, viens pas. Tu m'as là-bas. Tu m'as pris. Il faut écouter. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment sympathiques, mais tu dois faire attention. En passant, c'est elle la méchante, ok? C'est pas nous, genre, occupe la pas, elle est vraiment méchante, ok? Je m'excuse que genre elle t'a donné ça, mais je sais que c'est pas vrai, ok? Mais puis genre, Awane nous a tout intimidé un à la fois, puis là, comme, c'est... Elle nous a fait de la peine, même elle nous a tout traité, notre famille, puis tout ça. Et je te conseillerais vraiment de parler avec elle. Puis si tu veux pas avoir des problèmes, parce que genre, la directrice a appelé les parents à Addison parce que elle faisait de l'intimidation, puis elle a été suspendue genre plein de fois. Je ne veux pas, reste avec nous, t'inquiète. Ouais, je m'excuse. Ça va les finales? Oui, vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Parce que genre, elle est nouvelle, puis on veut l'aider à s'intégrer dans un groupe. Comme ça, elle va genre être contente parce que je sais que c'est une nouvelle, tu comprends? Cela, on est en train de la parler puis de l'accueillir dans notre petit groupe. C'est bon? Oh. Ok, super, je voulais juste m'assurer. Ok, bye. On doit te parler. Tout ce qu'ils t'ont dit, c'est que toi viens. Bah, je crois pas, parce qu'elle m'a vraiment dit que c'est dangereux. Mais parce que, genre, pour de vrai, parce que nous, okay, on est genre, pas vraiment populaires comme eux. Mais genre, eux, depuis les débuts de l'année, ils sont méchants avec nous. Puis on veut pas qu'ils fassent la même chose avec toi. Regarde, ils se trouvaient dans la place, ils lançaient des boules de papier. Tu vas aller les trois dire que, genre, c'est pas gentil avec toi. Je sais pas parce que tu me vas pied, je sais pas si tu es gentil. C'est que je sais pas quoi faire. Mais moi je te dis que nous autres on veut être là pour toi, pour veut être ton ami. Puis que eux autres ils veulent juste t'écouter.
passé là avec la nouvelle? Je sais pas parce qu'elle a l'air de croire aux autres filles. En tout cas, ben, il faudra lui dire. Parce qu'à un moment donné, elle devra nous croire. Parce que je sens que les intimidateurs vont faire quelque chose de très grave. Ouais, pour juste pour nous prouver qu'on est méchante. Ok, bref, mais genre, hier soir, ok, j'ai écouté une musique, ok, puis je pense que tu la connais si tout va bien. Oh oui, j'ai entendu parler. Ouais, c'est... Alors, c'est... Je sors de ma bulle, je crois que c'est l'heure, tout va bien. M de Lila, certains m'ont déçu, d'autres m'ont blessé, mais j'ai bien. M de Lila. C'est quoi cette chanson? Oh, oh, Vous êtes ici parce que Jacinthe est venue vous chercher à cause que notre prof pleurait. Vous êtes ici parce qu'on niaise. Et pourquoi vous niaisez? Ben, c'est que nous, ici, dans cette table, on ne parle pas beaucoup. Puis autour, ben, ça parle beaucoup. Puis ça oh niaise. Non. Qu'est-ce que c'est? Manque de respect. Désolée, madame. Merci. Continue. Pourquoi tu me laisses ta main niaise? Je crois que ça ne serait pas notre faute. T'avais levé la main? Non. Moi. Oui. Comme on dit au basket, on gagne en équipe, on perd en équipe. Si je dois être punie, tout le monde va être puni. C'est drôle. Mais si tu niaises, c'est pas tout le monde qui a niaisé, tu vas être puni. Mais c'est ça que la madame nous dit tout le temps. Demandez-lui. Ok, mais en réalité, pourquoi elle pleure? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. On a juste... Pourquoi tu lèves ta main? Et puis, on n'a pas le droit de ça. On n'a pas le droit de ça.
Merci. Mais c'est la meilleure génération. Je sais le pas. Quelqu'un en a un autre comme ça? Non. Non. Oh, dommage. Non. Non. Si j'en découvre un, je vais le confisquer jusqu'à la fin de l'année. Bonjour les gars. Bonjour, bonjour. J'ai entendu dire qu'à l'école, il y avait encore de l'intimidation. Mais sauf que mon message était clair la dernière fois. Dans mon école, j'accepte pas de l'intimidation. Est-ce que ça tente d'aller faire un tour dans mon bureau? Non. Ok. Oui, c'est bon. C'est parfait. Bonne journée. Bonne journée. Jacinthe. Présente. Bianca. Présente. Rebecca. Présente. Adriana. Présente. Gabriella. Présente. Justine. Absente. Edwin. Présente. Naisha. Présente. Angelica. Présente. Jassira. Présente. Dani. Présente. Maxime. Présente. Viens ici s'il vous plaît, Jacinthe, tu peux les porter. Pourquoi? Parce que je te le dis. Mais c'est ta faute, c'est mon travail. Pourquoi? Pourquoi?
Madame, oui. Est-ce que vous pensez tout dehors? Non, pas pour l'instant. Pourquoi? Les bails, c'était pas de 113 à 145. Ah, mais c'est quoi ton problème? Va t'asseoir! Bonjour. Et moi, bon, mais Lola, je t'allie. Ça fait plusieurs semaines que je reçois plusieurs plaintes de les mêmes parents. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu vas voir tantôt. Toi, viens dans mon bureau tout de suite. Mais maintenant. Oui, toi aussi, maintenant. Vous allez savoir très bien. Ça c'est devant la porte, maintenant. Et toi aussi, mademoiselle. Je comprends pas, mais... Maintenant. Non, suivez-moi. Tu prends ça à l'école. Dépêche-toi. Il n'y a pas ça ici. Merci. Passez belle journée. À vous aussi. Ok, que c'est fini. Alors c'est pour ça que nous savons faire ce film. As-tu déjà été témoin d'intimidation? Oui, j'ai déjà été témoin d'intimidation. Peux-tu nous raconter le résumé de ton histoire? Le résumé de mon histoire, c'est que c'est une petite fille qui se faisait intimider par des gens de 6e année, 5e année. Puis les gens, ben, elle a demandé de l'argent, puis des bonbons. Puis si par exemple demain, comme ils n'envoient pas les bonbons, ben ils allaient la battre la fille. Puis si je retournais dans le passé, j'allais l'aider, sauf que j'avais pas envie de l'aider dans les moments, parce que j'avais pas envie de me faire intimider à mon tour. Merci. Avez-vous déjà été victime d'intimidation? Non. Ouais. Tu peux nous raconter ton histoire? Non, c'est trop personnel. Est-ce que tu as déjà été intimidatrice? Oui. Et comment tu t'es sentie? Je me sentais comme si j'avais beaucoup de pouvoir, puis j'étais la plus puissante au monde. Est-ce que tu pourrais nous raconter un bout de ton histoire? J'ai déjà intimidé une fille qui battait ses poules. Ça veut dire que genre, elle faisait sa fraîche belle, puis elle se croyait que c'était elle la boss, puis la reine. Puis je l'ai intimidée pendant un bon bout de temps. Mais quand je pense à ça, ça m'a servi à rien. Ça a juste fait de la peine à quelqu'un. Bonjour. Ok, c'est bon. Ça, je pensais.